aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle Nintendo NES. Non officielle, bien sûr. Parce que la vraie originale, elle coûte beaucoup plus cher et puis il n'y a que 30 jeux. Et puis celle-là, ce qui est bien, c'est qu'elle est moins chère et puis il y a 500 jeux. Alors je préfère franchement prendre celle-là. Alors je vais tester des jeux, mais pas tous les jeux qu'il y en a 500, alors je vais prendre des heures. Mais quelques jeux que j'aimerais bien vous les montrer. Et puis, c'est parti! Il n'y a pas beaucoup de jeux et puis après on doit beaucoup plus payer hein. Bon bref, alors voilà, on arrive aux 500 et puis là je vais tester Tortue Ninja le 4. Alors celui-là c'est un jeu d'arcade, ok, c'est de combat. Et là, je vais prendre Mike. Ouais, ce personnage-là. Je ne sais pas pourquoi, mais... Contre Léo, voilà. En plus, j'ai jamais joué à un jeu. Le bleu et le vert là, c'est le vert, c'est le bleu, je comprends rien. C'est quoi ce truc? Là, il y a une boule bizarre là. Je sais même pas si c'est pour une vie ou... C'est qui est mort? Ah non, c'est moi qui est mort. Ah, j'ai trop une grosse faim. Pour de vrai, je suis vraiment forte, mais là... Ouais. Et là j'ai pris encore un jeu d'arcade. Je sais même pas comment ça s'appelle, j'ai mis au hasard. Voilà, là je vais descendre l'hélicoptère. Celui-là il est pas mal compliqué. Hein. Il est pas si simple avec tous ces personnages là. Pire, je suis là. Là c'est bien pour les personnes qui veulent militaire. Je crois que ça c'est un jeu de guerre en fait. Ok, je sais pas. Enfin, non. Mais je réessaye encore une fois parce que là. Ah oui, ce jeu, si jamais il joue à deux. Oui, il y a beaucoup de jeux qui jouent à deux. Game over. Maintenant j'essaye Mario 9. Ah d'accord, Mario quasiment il a voulu abandonner Princess Peach, il a préféré plutôt être en vacances. Je sais même pas où. Et ce gros frais de fruits. Il y a beaucoup de fruits hein. Ah d'accord. Ah ouais, en fait, je peux plus sauter sur les ces trucs là, ces personnages là, les ennemis du verre. Et en plus, les ennemis c'est des escargots, et on peut pas les sauter dessus, c'est chelou. En plus, par contre, Mario il est bien bronzé. Hein. Pauvre Princess Peach, elle est encore dans ce. Avec l'autre, le méchant. je crois que Princess Peach elle doit se débrouiller toute seule. Oh bon. Je vais essayer encore une fois parce que là.
Là, il mange trop Mario. Mario, il mange plus de champignons. Et maintenant, il mange des fruits. Hein. Oh, c'est trop stylé, le skate. Oh, j'aime trop. Quand c'est trop bien, le skate. Oh, stylé, le dragon. Voilà, maintenant j'atterris dans une grotte des hommes de caverne. J'ai pris un œuf cassé, j'ai pas compris. Mario je sais pas où, en montagne, je veux dire. En skate. Bizarre. Et des araignées. Des araignées volantes. Et ce truc-là, je sais pas ce que c'est. Bon, cette fois-ci, je vais faire Mario 9. Mario 10 et Mario 9. Qu'est-ce que j'ai raconté? C'est celui-là que j'ai fait. Oh purée, Mario là, il a trop grossi, hein, il est trop bronzé. Hein. Oh purée. Ouh. Ah d'accord, Mario il a décidé de maintenant de voyager le Japon, je crois, un truc comme ça. C'est très bizarre. Hein. Ah maintenant, le ok, Mario il fait du karaté. C'est chelou quand même. Hein. Mario qui fait du karaté. Mario qui fait du karaté puis qui l'a bien grossi. Hein. C'est vraiment des méchants bizarres là. Je sais pas, ce Mario là j'aime moins. L'autre là, le 9, il est mieux. C'est que je préfère en fait le Super Mario normal. Hein, parce que là, lui il est moins bien. Game over. Bon, je continue encore une fois. Par contre, je me demande ce que c'est ces trucs qui volent. On dirait des oiseaux grenouilles. Je me demande ce que c'est ces trucs bizarres. Et je crois que je préfère même pas savoir. Tellement de choses bizarres. Et par contre, ça c'est quoi ça? Je viens d'atterrir dans un truc vraiment chelou. Ok, alors je suis dans les nuages. Je suis censée sauter sur les nuages. Mais je vois que je suis pas vraiment obligée de sauter sur les nuages parce que je suis déjà sur des nuages. Ok, je trouve que ça commence à être vraiment bizarre ce niveau. Il y a vraiment rien qui se passe. C'est bizarre. Il est vraiment bizarre ce niveau par contre. J'ai gagné des points. Ok, d'accord. J'ai gagné vers 10 000 points bizarres. Ok, je change. Maintenant, je vais prendre Docteur Mario. Ok. En gros, c'est Tetris, quoi. Mais en Mario. En Docteur Mario, je veux dire. En gros, Mario, il a préféré être docteur, en fait. Il en avait marre de sa vie. Pour sa retraite, il a voulu être docteur, en fait. Je le comprends. Il est trop intelligent pour être docteur. Maintenant il est devenu vert, on dirait Luigi, non Mario.
Peut-être que Mario, quand il est vieux, peut-être qu'il devient vert. Peut-être que Luigi est vieux aussi. C'est bizarre. Voilà, bon, je fous n'importe quoi là. Tuer des microbes bizarres. Sauf que je ne sais pas comment, mais. Bon, ce jeu-là, je préfère Super Mario, vraiment. Maintenant, on va tester Pikachu, par contre, là, il a changé, hein. Il est bizarre. Je crois que c'est Pikachu malade, hein. Il est vraiment bizarre. Bon, allez, start. Ok, je peux jouer à 1, 2, hop. Je peux choisir le niveau. La musique. Je vais choisir. Bon, je choisis. Allez, ok. Voilà. Alors. Encore du. Un espèce de Tetris là. Ouais, c'est du Tetris. Je crois que c'est pour libérer Mario. Mario. Oh, je suis en train de dormir. Pikachu. Je suis désolée, mais on dirait pas trop Pikachu. Il est un petit peu bizarre ce Pikachu. Hein. Je préférerais voir un Pikachu différemment. Hein. C'est vraiment bizarre ce Pikachu. Voilà, j'ai fait n'importe quoi. Ah merde, je suis déjà mort. Ouais, je vais encore recommencer parce que là, je vais faire mieux cette fois-ci. Je reviens, hein. Je vais faire mieux, c'est bon. Là, j'ai fait n'importe quoi. Là, je fais mieux comme ça. Maintenant, je viens d'apprendre grâce à Pikachu comment jouer au Tetris. J'aurais pas dû ça appeler Pikachu, j'aurais dû appeler Tetris Pikachu. Hein, parce que là... Moi, j'ai cru que c'était Pikachu, ça doit être différent. C'était vraiment un peu de jeu Pikachu, mais là, c'est un peu bizarre. Hein. Je sais jouer. Moi. Genre. Ah, mais je viens de remarquer, Pikachu, il a des cheveux. Ah non, je sais pas si c'est des cheveux ou une casquette. Peut-être que c'est Pikachu. Bizarre. Bon, là, cette fois-ci, je prends Donkey Kong, le 1. Voilà. Voilà. Et là, je suis Mario. Super Mario. Et là, je dois libérer la princesse Peach. Merde. Ah oui, ce qui est là dans les box que j'essaie de chercher, ceux qui savent pas, c'est un espèce de. C'est des marteaux pour casser les. Ces caisses là qu'il envoie dans le camp. Genre, au tout début, la première fois que j'ai joué et que j'avais utilisé ça, j'ai cru que c'était un instrument de musique. On dirait vraiment qu'il fait de la musique. Et ça devient trop compliqué quand il y a... Oh.
Cette fois-ci, je prends Donkey Kong 2. Non, c'est Mario le méchant. D'accord, c'est Mario le méchant. Et puis, c'est moi qui dois... Je crois que je suis l'enfant des Donkey Kong qui doit libérer Donkey Kong. C'est ça que Mario, maintenant, c'est le méchant. D'accord. C'est bizarre. Hein. Mario est méchant. Je crois que j'ai toujours su qu'il est méchant. Bon, si j'arrive à ce niveau-là au premier coup, c'est parce que j'ai déjà fait ce niveau en fait plusieurs fois. Alors ça va être assez simple. Ok, maintenant je suis au niveau 2. Et celui-là en tout cas, j'ai pas réussi encore. J'ai même pas réussi à monter encore. Faites ta chouette, mais là je suis bloquée. Franchement, maintenant, il sert à quoi le personnage? Là, le vieux. Après, il fait vraiment une tête bizarre. Alors maintenant je vais utiliser Pac-Man. Bon, lui c'est un des jeux super connus. Bon, lui je l'ai joué plusieurs fois, alors voilà. Oh. Je vais peut-être plus finir maintenant le niveau. Ouais, le niveau 1, je veux dire. Yes, j'ai fini le niveau 1. Maintenant, je suis au niveau 2. Je suis pas sûre que je peux finir. Donc peut-être que je pourrais le finir en fait, je sais pas. Oh purée, là il... Oh. Et il y avait trop de fantômes là qui me poursuivaient. Il me manque encore une chance, je crois que je vais passer au niveau 3. Ouais, je crois. Ouais, c'est bon, niveau 3 maintenant. Oh, stylé le truc. Les fantômes qui courent après. Oh lui, oh purée, je suis déjà morte, d'accord. Je viens de commencer un niveau, je suis déjà morte. Maintenant, je prends le arcanoïde. Voilà. Ah ouais, lui aussi, il est quand même pas mal connu.
vidéo t'a plu. Et puis, il y aurait encore une suite de la mini Nintendo NES avec 500 jeux. Alors, abonne-toi, like et ciao!